Merci, Monsieur le Président. Impossible de parler des géoblocages sans mentionner le contexte actuel. Le secteur audiovisuel européen est aujourd'hui très impacté par l'arrivée des nouvelles plateformes en ligne, diffusant des contenus des pays tiers qui bénéficient d'un important soutien financier qui n'a pas son équivalent en Europe. La pandémie a mis ces secteurs encore plus en danger. On parle des milliers de professions, des auteurs, des producteurs qui œuvrent au quotidien pour la création européenne. Ce dont nous avons besoin, c'est avant tout d'une mise en œuvre rapide et efficace du règlement dans tous les États membres, et ensuite des mesures d'incitation pour faciliter les commerces transfrontaliers, améliorer les capacités de production, soutenir les coproductions transfrontalières par des financements européens et répondre aux attentes des consommateurs. En tenant compte de ces priorités, nous devons discuter avec toutes les parties prenantes de ce qui a marché, des obstacles encore existants et s'ils sont vraiment justifiés. Donc, je salue l'action de la Commission qui est engagée pour ce dialogue. Surtout, chers collègues, soyons pragmatiques.